prêt, vous pouvez me connecter maintenant, c'est bon. Ok. Ah, Ragnar Bloc en plus se transforme à ce moment-là. 1, je me connecte. Oh, j'ai peur! Oui! Ça va! Heureusement que j'ai dit qu'il fallait pas les tuer d'entrée. Hein. Ah bah non, on les a pas tués, on fait des petites tapettes amicales. Oui, des petites tapettes amicales. Salut, Ombrice! Bonjour, 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 bonjour! Alors, Mister Pixel, enfin, t'as pas de skin, t'as un skin de Steve. Ombrice, ouais, moi aussi. Ombrice, c'est pareil. Moi, j'ai suivi quelques lags, ouais, pour le coup là. Là, ok, c'est bon, je me suis pris. Non, non, moi, okay, je me suis pris 40 coups d'un coup là, c'est bon. Ouais, moi aussi. Ok, c'est bon. Mais c'est pas grave, il y a Régène. Dans la cage. Dans la cage. Parce que je vois, j'ai vu le skin d'Ombrist, il est où Ombrist? Allez Ombrist. Il est Ombrist, je suis là. Dans la cage. Entre, dans la cage. Entre, 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 allez. Mister Pixel aussi, allez zou. Allez, on rentre. Devant le coffre. Mettez-vous devant le coffre, s'il vous plaît. Je sens que le coffre, il va faire boum, tu sais. Mais non, mais non, on n'est pas comme ça. Mettez-vous comme ça, comme ça, mettez-vous comme ça devant le coffre. Oula. Et à trois, mettez-vous collés serrés, comme des homoguets, là. Ouais, voilà, comme d'habitude, faites comme d'habitude, voilà. Ne changez rien. Du coup, à 3, vous allez ouvrir attends, le coffre. Attends, j'ai activé tout le craignement du PC. Vous êtes prêts? Ça va faire boum. Ça va faire boum, j'ai peur. Maman. Allez, vous pouvez ouvrir le coffre, c'est parti. 1, 2, 3. Ah merde! Embrise-toi! Non! Voilà, c'est bon. Allez, on s'en va tout en bas. Allez. Bon, les gars. Maintenant, ça va être à vous de chercher votre coffre. Allez, c'est Tipar. Allez, démerdez-vous. Vous avez, droit, vous avez le droit pas, de vous même tuer. Pas, hein. Même pas en s'entraînant. Alors, j'ai trouvé le coffre d'Ombrist. J'ai trouvé le coffre d'Ombrist. C'est beau, c'est beau. Coffre pour Ombrist. C'est lequel, le Steve? Le coffre, avec, c'est quoi le coffre? C'est le petit bordel à tout le monde, c'est ça? Oh, c'est mignon. C'est ton coffre de bienvenue. Bah ouais, ouais. Tu pourrais, attends, non, qu'est-ce que tu fais là? Mister si Pixel, il s'est échappé. Mister Pixel, t'es armé normalement, c'est bon? Pas encore. J'ai une canne à pêche. Ah, c'est bon. T'es pas armé, ça veut dire. Moi, je suis pas armé non plus. Vous n'avez pas d'armes? C'est bête, hein. Bon, de toute façon, on va pas vous frapper parce que, comme je l'ai dit, on vous tuera pas. On vous tuera pendant votre sommeil. Une fois que l'intégration sera faite, on ira vous tuer autrement, hein, par une petite prank ou une connerie comme ça. Ça peut être marrant. Voilà, nickel. Les pauvres, ils vont même pas commencer à construire, ils seront déjà 10 pranks. Non, je reste là. Je m'en fous, je reste là. Oh ma colère, on est temps. Non, Je sors. Ça. Ah les mecs, c'est du furieux. C'est fait embrouillir. Bienvenue à toi. Allez, sors. Allez, sortez de là, on va vous présenter un peu le serve. Allez, c'est parti. Avant votre mort, bien sûr. Adieu. Bien sûr. Alors, ouais, on va se mettre autour du cercle ici. Ouais, le cercle de l'amitié. Le cercle de l'amitié, voilà. Et du coup... C'est pas les bannières. Ah bah justement, parlons de bannières, vous allez devoir en faire une et la poser quelque part ici. Ok, ça marche. Bannière, hein? Tu disais quoi avec Drasil? Qu'est-ce que tu disais? J'ai dit, je me mets à ma bannière. C'est ma place. Je me mets à ma bannière alors. Alors, on va commencer les présentations des deux nouveaux membres. Donc, du coup, on va commencer par le plus jeune. Lequel est le plus jeune? Ah, c'est Pixel, c'est sûr. Ah, bah voilà, c'est sûr. Bah, Pixel, présente-toi. Dis-nous ce que tu fais dans la vie. Dis-nous quelle étude tu fais. Dis-nous qu'est-ce que tu veux faire sur Ragnablock. Dis-nous depuis quand tu joues à Minecraft. Dis-nous la taille de ton sexe. Dis-nous si tu es marié. Voilà. Et si tu es homogué. Voilà. Ça fait beaucoup d'infos. Alors, du coup, on va commencer. Je pense. Ouais, bon, bah, alors, bonjour. Du coup, je m'appelle donc Mister Pixel. Enchanté. Ça, bonjour, Mister Pixel. Alors, pourquoi Mister Pixel? Ouais. Et pourquoi Mister Pixel? Parce que Mister, ça désigne donc un homme. Jusque-là, je pense que là, je suis bien. Mes parents m'ayant doté de pénis depuis ma naissance, je pense me qualifier comme un homme. Et du coup, Mister correspond bien à mon sexe. Et ensuite, Pixel, parce que j'adore les vieux jeux. Et du coup, le truc un peu des vieux jeux, c'est les pixels. Donc voilà. Oh, c'est beau. Voilà. Parfait, c'est une très bonne explication. Oh putain, Mathieu. Voilà. Continuez, s'il vous plaît. Alors du coup, qu'est-ce qu'on dit après? Du coup, je suis en terminale STI 2D, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Du tout. Peut-être.
terminal, c'est ton stade après Rennes Blob Tangle. Ouais. Tu vas être terminal au bout du cerveau aussi. Ok. Bon, mais ce serait pas paumé alors, c'est bon. Ok. Et sinon, pour la taille du pénis, bah, grand, hein, je pense que ça suffit. Non, moi je veux. Non, vous êtes tous d'accord avec moi, on veut savoir la taille exacte. Hein. On veut la taille exacte au millimètre près. Non, ça passera pas au cube près. J'ai pas appris à compter jusque-là, donc. Alors ça veut dire que t'es. T'es débile. Comme dit Abonders, débile, ça veut pas dire que t'es débile, ça veut dire que t'es génial. Ah bon. Ouais, ouais, quand tu dis c'est. Ah, t'es pas toi qu'on appelle Black Mamba, je crois. Black Mamba. Okay. Ouais, quand j'étais jeune. Ou The Anaconda, je crois, on l'appelle The Anaconda, ce mec. Oh, les vieux clichés. C'est des vieux clichés. Hein. Ouais. Bah attends, ouais. J'avais à peine 14 ans que je faisais la blague. Ouais, j'ai un Anaconda dans mon froc et tout. C'est bon, c'est dépassé ça, les gars. Non, moi c'était mon prof qui me disait ça. Oh, ah bon. C'était mon oncle. Alors du coup, quels sont les projets que tu feras sur le serveur? Et pourquoi tu as voulu venir sur le serveur? Alors, principalement là, ce sera principalement de la redstone, hein, parce que la déco, c'est pas ça, hein, la déco, on passera dessus, hein. Je compterai sur vos pranks, hein, je pense que je vais les garder finalement, ça devrait être mieux que ce que je vais faire. Et sinon, c'est vraiment la redstone qui me fascine, quoi. Et du coup, si j'ai voulu venir sur Radnablock, c'est parce que j'étais pas dans un serveur avec des gens. Je dis pas des amis encore, hein, parce que j'attends que vous m'ayez tué 3-4 fois. 5, 6, 10, 12. Oui. Mais pour l'instant, des gens qui ont l'air sympathiques, ma foi. Oui, puis c'est sûr que sur Ragnarok, il n'y a aucun restonneur de qualité, on peut dire. N'est-ce pas, ah, n'est-ce pas UGBLED MLDEG. Voilà, j'ai parlé pour moi, bien sûr. Je vais rester dans mon coin. Voilà. Ils sont certes arrêtés seulement pour de la déco, UGBLED, donc tu vois. Totalement. Bon bah du coup, ah, oui. Merci pour ces bonnes informations, pas ces futures. Mais la future information, c'est, à part la redstone, est-ce que tu as quand même un projet particulier, une base, une vision de ce que tu veux faire dans ta base, je sais pas. Je pense un truc avec de la redstone partout, des usines partout. Enfin, je vais d'abord voir ce qu'il y a un peu sur le serveur quand même, hein, pour éviter de refaire des doublons, quoi. Ça va être dur d'éviter de faire des doublons, mais principalement redstone, moi ce que je fais maintenant c'est des créations originales, même si c'est pas très même si c'est pas compact, m'en fous, c'est sympa. Voilà. Ok. Donc ouais, et après sinon ouais, pour les projets, ce sera plus des trucs communautaires, quoi. Ce sera plus des trucs qui vont profiter à tout le monde, je pense. Enfin... D'accord, ça peut être sympa. Mmh. Voilà. Et du coup, on va faire maintenant un tour chez Ombrist. Bonjour Ombrist. Bonjour. Bonjour Ombrist. Bonjour. Alors présente-toi, tu vas nous donner toutes les informations que j'ai demandé à Monsieur Pixel. J'espère que t'as enregistré, on va pas répéter. D'accord, alors bonjour, moi je suis donc Ombrist. Pourquoi Ombrist? Alors pourquoi Ombrist? Oui voilà, pourquoi Ombrist? Parce que alors, t'es pas noir. ça revient un peu à ma période Emo gay que je commence je commençais à avoir internet et tout. Ouais, j'étais un peu en période OMG trop dark Sokiku. Et du coup, je me suis dit purée, j'aime bien tout ce qui est obscur, l'ombre et tout ça, et j'ai adoré tous les personnages qui portaient des épées, donc des épéistes, et j'ai fait un mix des deux, ça a fait Ombrist. Ombre, épéiste, Ombrist, voilà. C'est ça. Ah, moi je pensais que c'était en référence avec un nombril. Ah non, du tout. Nombriliste. Ah, le nombril, nombriliste, je sais pas. Nombriliste. Un peu con. Bon, bref. Voilà. Donc, alors, quel âge j'ai? Je m'en vais sur mes 20 ans. Voilà. Oh, le jeune. Oh, le jeune. Je me sens déjà vieux, arrêtez. Attends de jouer avec Fred, tu te sentiras super jeune.
Ah ouais, c'est clair et net. Tu pourras l'appeler papa. Papi, non, papi. Oui, papi, oui, papi. Oh, non, bah, imagine, imagine Fred Lollet dans, papa, dans ce moi, truc. Bon, Brice, appelle-moi papa. Appelle-moi papa, je te dis. Non, il sera même pas comme ça. Il sera, oh, vas-y, appelle-moi papa. Oh, ouais, bon, ouais, bon, ça sera plus sale. Ah, c'est sale. Voilà. Donc alors après c'était la taille du pénis, je crois. Oui, la taille du pénis. Alors je vais pas dire la taille exacte, mais on l'appelle Clio parce qu'elle a tout d'une grande. Voilà. D'accord. C'est beau. Non non, c'est beau ce que j'ai dit. Okay. Surtout l'ego, ouais. Ah moi c'est la Deutsche Quality, tu vois, moi c'est Opel. C'est petit mais efficace. Ouais. Skip, petit mais puissant. Voilà. C'est ça. Oui bon. Pimousse. Voilà, vaut mieux une petite qui frétille qu'une grosse qui roupille. Et toc. Voilà. Petit pimousse. On m'a toujours appelé le tic-tac, moi, c'est marrant. Ouais. Coucou, et puis, next. Ok, quoi d'autre? Je fais quoi dans la vie? Je suis en ce moment en bac pro chômage plus 3. Ce serait intéressant. Plus 3. Sympa. Ça fait 3 ans, ça fait 3 ans que t'es au chômage. Non, ça fait moins que ça, mais c'était pour la vanne. Non, non, avant ça... Je viens de niquer son truc, là. Non, mais moi je suis pointilleux, j'aime bien faire chier le monde, moi. Non, juste avant ça, j'étais croque-mort et équipier à McDonald's, je faisais en même temps. Et croque-McDo, c'était magique. Alors oui, une chose qu'on a oublié de préciser pour les gens qui nous regardent, Ombriste a le même humour que notre cher ami Cacao. Bah, le pire, non, mais il est pire que Cacao là, là il est encore pire que Cacao. Non, c'est du haut level là. C'est du haut level là. Ah, les deux vont faire des battles, ça va être horrible. Non, désolé pour la vanne, voilà. C'est après le concours de village, ça, c'est concours de battle de Black Dull. Voilà. Ouais, et bah, du coup, aujourd'hui, bah, je suis en recherche d'emploi, voilà. Parce que bah, je travaille plus là-dedans. Bah, t'en as trouvé. Mais ici, on n'est pas pour l'emploi. Hein. Ah, oui, mais un emploi hors esclave, tu vois. Hors esclave. Ah bah cherche pas, arrête hein. Parle un truc qui ramène de l'oseille, tu vois. Bah tu vends ton cul. Voilà, j'ai, totalement. J'ai pas envie. Ah, pas envie. Tu sais combien il m'a fallu de sous pour monter là. Donc voilà. Du coup maintenant puis, tu vas nous dire depuis combien de temps tu joues à Minecraft. Je joue à Minecraft depuis la alpha. Depuis la ténure. Ah oui, ouais. Depuis fin d'alpha, début de bêta. Ouais, un vieux. Tes projets? Ah oui. Alors projet, bah, j'en avais plusieurs idées qui sont fusées toute la semaine et qui ont fusé, oui. Et du coup, je pense que mon projet sera surtout en construction parce que je suis une bille en redstone. Ce serait donc de réaliser toute une cité du style steampunk. Steampunk, c'est intéressant. Ouais. Après, on donne de l'oseille. Pépite spéciale. Ah, c'est la pépite spéciale. Alors, cette pépite spéciale, il faut la garder d'ailleurs parce que. T'as Bonders, même pendant la vidéo d'intégration, tu fais ta pub, hein, un truc de fou. En fait, la pépite spéciale, c'est pour jouer au casino de Bonders quand il sera terminé, quand UG Blade aura fait son taf. Parce que UG Blade, ouais, voilà, UG Blade, il est sur plein de projets. Hein. Lui, c'est le chef de chantier, tu le vois sur tous les fronts. et du coup, tu pourras jouer au. D'ailleurs, je crois qu'il y a Mr. Pixel, il est. Il va passer dans le bureau après. Dans ou sous le bureau? Le placement de produit de la pub. Enfin, le placement de produit. Sous le bureau, oui. Ah, sous le bureau, espèce de moguet. Sous le bureau. Ah, écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Écoute, et apparemment, d'après ce qu'il nous a dit, il est bien membré, donc ça changera un peu des gens du serveur, quoi. Dans la vie, il faut tout essayer. Et en plus, actuellement, ma femme est à l'hôpital, donc je peux pas faire tout. Hein. Voilà. Donc, Mr. Pixel, on va passer sous le bureau après. Tu... Le mec qui en manque. Ah, quand même. Voilà. Ouais, c'est ça. De ça. Ouais, mais fait... S'il passe sous le bureau, qu'il fasse gaffe. Hein. C'est les meubles Ikea, ils sont mal foutus, il va se cogner et tout. Ah, t'inquiète, hein. Moi, c'est des meubles montés par moi-même, donc t'inquiète pas, ils sont grands. Il y a un matelas sous le bureau, c'est déjà prévu pour. Ah putain. Bon, du coup, les gars, je vous explique. Ici, vous êtes au spawn nordique. Norik. Oui, ta gueule. Oh bah. Vous êtes au spawn nordique avec un D comme Dick, n'est-ce pas? On était norien. Ah, il était beau, ta gueule. Et votre but, donc à Mr. Pixel et à Ombriste, même si t'es nul, Mr. Pixel, en construction, il faudra quand même que tu fasses ta maison nordique ici. Alors, certes, les amis, je n'ai pas encore fait la mienne, hein. Okay. Mais ça ne saurait tarder. Je l'ai fait en créatif, okay. Hein, faut que je la fasse. Hein, mais j'en avais une petite avant. Et quand j'ai vu toutes les grosses constructions à côté, je sais, bon, faut peut-être relever le niveau. On n'appelle pas ça une maison, vous aimez. Ah ouais, la prison. Non, c'était pas une prison, c'était un cachet. La prison a disparu. Ouais, c'est ça.
Et du coup, faudra construire une maison nordique par ici, là où vous voulez, dans le coin en tout cas, et on ralliera vos maisons par des chemins. Il y a de la place, on va dire. Voilà, donc c'est votre premier boulot. Ensuite, venez voir par ici. C'est parti. Donc même dans les endroits par là, on pourra. Pas au milieu. Ici, il faut garder cette place assez vide. On mettra un peu de déco parce que faut qu'on garde le gros Ragnablock dans la montagne affichée. Parce que quand il fait nuit, t'as de la lave qui tombe dedans. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. J'ai vu ça. Comme dans l'intro. Exactement. C'est beau. Et par là-bas, t'as un spawner à zombies qui te permet de dézombifier les zombies si tu veux des villageois. Là-dedans. Oh, ok. Un peu plus loin, okay. Par ici, on va aller à la ferme à poulets que je vous montre pour chercher à bouffer si vous voulez. Alors des fermes à poulets, il y en a partout. Hein. À Kadok. Kadok à poulets. La poulette. Donc il y en a partout des fermes à poulets. Donc il y en a une ici, vous pouvez vous servir dans les coffres, il n'y a pas de problème. Et à votre droite, vous avez une ferme à squelettes pour récupérer de la poudre d'os et de l'XP. Mais l'XP, il y a une autre machine pour ça. Hein. C'est pas fou. J'ai vu le truc à poutre. Ah non, on va pas chez ma maison. Non. On va pas chez moi. Ici, c'est l'usine à squelettes, il faut descendre pour ça. Ma chambre à coucher. D'ailleurs, je crois qu'il l'a changé le système, non? Ouais, je crois qu'il a changé, il est OP. On bug plus, quoi, il n'y a plus moyen de mourir. Ouch. Ok. Boing. Et du coup, l'usine à squelettes, quand vous descendez en bas, vous pouvez rester à FK, ouais. Les squelettes spawn et c'est bon. Bah, c'est quoi, faut sauter ici ou... Ouais, une usine à squelettes, quoi. C'est ça. Bah, essaye. Ouais. Vas-y, attends, moi je m'en fous, vas-y, ouais, je fais ça. Mais... Oh la blague. Ah ouais, t'as vu ça. Alors, évidemment, vu qu'il y a des lags serveurs, ça va être très difficile de pouvoir monter. Donc, on va monter par les escaliers. Parce qu'il y a des escaliers. Hey! Ici, Jim, expert bomb. Ouais. Y a moyen, ouais, parce qu'il vient de me frapper, je crois qu'il va gérer longtemps ici. Hein. Oh, attends, j'arrive. Je suis coincé, lol. On a demandé le croque-mort, le blanc. Vas-y, monte pour voir. Appuie sur le expert. Truc, voilà. C'est pas moi, appuie sur le truc. Ce tombeau sera ton. Non, faut que tu sois au milieu, hein, entre les blocs et. Ouais, de toute façon, ça marche pas, c'est chiant, ce truc là. C'est pas grave, on va monter. Fuck. On va prendre l'escalier, ouais. C'est bien. C'était merde, bon. Parfait. Bon, une fois que vous serez remonté, de toute façon, je vous laisserai regarder, faire le tour par vous-même pour voir un peu tout ce qu'il y a. Si vous avez des questions sur certaines constructions, normalement, il me semble qu'il y a des panneaux sur chaque maison qui appartient à quelqu'un. Si c'est pas le cas, vous verrez plus tard. Vous poserez les questions, vous verrez. Oh, c'est beau, ça, je le garde au montage. Au bruit, c'est qui tire avec sa canne à pêche. Et juste derrière, t'as Mr. Pixel qui apparaît, on dirait le chien. Ah, il a fait un son esclave, sans déconner. Allez, venez par ici, on va vers les beacons bleus. Bah, chercher la crampe. Ça fait un peu ça. Les beacons, comme on dit. Les beacons. Bon, vous attendez pas à avoir un. Vous pouvez avoir des retours portails systématiques, hein, ça peut. Allez, oh, un par putain. Un. En plus, au pire, on y va tous, ouais. Oh, pff, ouais, moi ça me fait arriver un. Il rip le serveur. Mais non. Moi j'ai aucun problème, hein. Non, non, là c'est passé tout seul, moi aussi. Hein. Ouais. Comme papa dans maman. Donc, du coup, ça c'est le hub du Nether. Nordique. Nether. Et il faut aller tout droit. Suivre le chemin. Qui est très court. Ils ont pris de la bouffe. Ah, s'ils en avaient dans les coffres, oui. S'ils n'avaient pas dans les coffres, il y avait l'usine à poulet que je leur ai présenté. S'ils en ont pas pris, c'est qu'ils sont incompétents. Ah, mais moi j'en ai pris dans un coffre, il y avait plein de plumes et un peu de bouffe. Et donc on changera de suite, on introduira quelqu'un d'autre. Ouais, exactement. Ils font pas l'affaire. Bah, normalement, si tout se passe bien dans les coffres, il devait y avoir mon coffre d'hiver qui a été dans leur coffre. Je dois avoir un petit peu de terre, un bout de redstone, des choses comme ça. Ouais, je savais pas quoi en foutre, je me suis dit tiens, c'est pour eux. T'habites des saloperies, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis le mec qui fait filmant et qui prend son temps pour courir. Il avait marqué poubelle dessus. Ouais, c'est ça. C'est le coffre où il y avait écrit poubelle chez moi. Ah, ça, j'ai pas vu ça. Le joli. C'est beau, hein. Ah. Très sympa. Ouais, ça, c'est les trois là. Les trois, et t'es obligé de te faire engloutir par Kekeo.
Ouais. T'es obligé de rentrer dans la bouche de quelqu'un. Oh, c'est dégueulasse. C'est sale. Mais tu sais, ça fait penser au film qui s'appelle Human Centipede. Quel film de retardé mental. Bon, je suis arrivé. Le mec, il a pas pris le truc, tu sais. Juste pour faire chier. Coucou. Ok, j'avais alors. Pas pris de bouffe, moi j'ai marché. Que je vous explique le Nether Hub. Au portail au centre, c'est pour aller dans le spawn village. Donc en gros, c'est un village où il y aura des maisons que vous pouvez construire. Du coup, je force à personne parce qu'il y a encore des personnes qui ne l'ont pas faite. Mais vous pourrez faire votre maison du style que vous voulez. Et le but dans ce spawn là, plus tard, c'est pas encore le cas actuellement, mais plus tard, ce serait d'installer des boutiques pour vendre des choses que vous-même vous pouvez vendre. Ou des services. Hein. Par exemple, UGBLED, il pourrait vendre ses services de constructeur. Dans un build qui pourrait faire là-dedans, tu vois, contre quelqu'un. J'ai déjà un projet avec en cours avec Kakao et Linkit, je crois qu'on va faire quelque chose. Ah ouais? Ah bah c'est cool. Le mec il sait même pas. Ok, donc c'est le spawn village, je vous laisserai regarder ça. L'étage du bas, c'est l'étage où vous pouvez aller dans toutes les bases de tout le monde. Donc vous voyez qu'il reste encore quelques espaces de libre, il va falloir en choisir une, trouver votre base pour plus tard. Et moi je prends celle-là. À côté. Non, elle est prise. Non, elle est pas prise, il y a rien ici. Tant qu'il y a, ouais, tant qu'il y a pas de nom, bah faudra que tu cherches un spot plus loin. Oula, ou je m'en fous. Ah. Et du coup, à l'étage du dessus, il faut se mettre au niveau du slime block, cliquer sur le bouton, sneaker. Voilà, se niquer. Oh non. Oh oui, oh oui, oh oui. Juste que attends, j'arrive. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez pas. Ah si. Ça marche quand même. Oui, si, pour sneaker, oh, c'est facile à faire. Bon, évitez de faire les fous au milieu là, parce que sinon on va encore péter la ficelle. Et du coup, à l'étage du dessus, vous allez avoir des chemins vers diverses fermes, diverses biomes, dont le Stronghold, la ferme à Wither, la ferme à sorcière, le Ragnaland, il y a le biome jungle, il y a le biome Mesa, biome désert, le biome Ice Spike. Il y a pareil, je crois aussi. La ferme à Guardian. Il y a quoi? Le Mesa, ouais, tu l'as dit. Ouais, le Mesa, ouais, je l'ai dit. Il y a un spot, c'est ici, c'est le spot pour tuer un Wither Boss très facilement. Là-bas, t'as le spot Wifi. Voilà, il est là. J'ai fait. Hein. Je l'ai pas laissé à Ombris celle-là, hein. C'était pour moi. Non, mais si je les prends toutes après, il y aura plus personne qui voudra jouer avec moi cette semaine. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseillerais de faire assez rapidement une fois que vous serez posé, ce sera aller dans l'End, donc vers le Stronghold, là-bas vous irez dans l'End récupérer un max d'Underpearl, parce que l'End a priori faudra qu'on le reset, donc pour 1.9, ouais, pour la 1.9 une flèche, m'expert. Et tout au-dessus on va encore monter parce que j'ai fait un énorme 3 dans le tout du Nether. C'est beau. Et ici vous avez la ferme à XP et la ferme à or. Suivez les torches, c'est ça? Ouais, tu suis les torches, c'est là-bas. Moi j'ai Optifine, donc je peux voir directement la ferme de là. Mais vous, si vous avez pas Optifine, vous pouvez pas la voir. Mais je la vois. Ah, moi je la vois aussi. Non, mais même j'ai évité de mettre trop de chunks de chargé pour éviter les. Bienvenue dans la chambre à coucher de UGBLADE. Ouais. C'est la chambre à coucher du G-Blade. C'est vrai qu'il reste souvent ici parce qu'il farme l'or comme un sale. Hein, parce comme un que porc. C'est, voilà. Ouais, comme un porc. Et du coup, le système il est assez simple. Faudra jeter juste une boule de neige à un pigman et se mettre devant la fente. Et puis vous allez avoir de l'XP à fond. Et par contre, une chose qu'il va falloir faire, c'est vider les coffres de Rotten Flesh. Assez souvent quand vous utilisez la ferme, sinon ça dérègle tous les trieurs d'items. Un peu la flemme de monter là, vous. Tu as prévenu. Il a pas chez moi. Tu l'élimines pas la Rotten Flesh en fait? Parce que je m'en sers pour gagner des émeraudes quand je les échange à mes PNJ. Ah ouais, mais enfin, il y en a 10 fois trop là. Ah ouais, mais j'ai beaucoup. Ça fait beaucoup de monde. J'ai beaucoup besoin d'émeraudes parce que grâce à ça, je peux avoir du stuff en diam quoi, tranquille. Ah, il a ces petits Paul Touyel qui. Ouais, non, mais ça, il a. Ah, et de l'autre côté, c'est quoi? Hein? Mais le côté, de l'autre côté, c'était quand il y a eu une baston de Wither.
D'accord, ok. Mais du coup, vous pouvez vous battre contre le Wither sur le toit du Nether si vous voulez le faire à la loyale, il n'y a pas de problème, mais il faut aller assez loin pour éviter que ça pète la ferme. Après, comme je l'ai dit, il y a toujours le spot pour pouvoir le tuer sans effort. Donc vous avez juste à le faire spawner à... Ouais, oh, putain, meurt, je crois. Vous avez tous popé devant ma gueule. Un truc de fou, là. Comme si vous étiez téléporté. Bon, pour vous présenter les portails rapidement. Donc ici, on a le portail de UG Blade, Lin Kid et Kakaorum. Donc en gros, ils ont fait une fusion à 3. Mais oh oui. C'est un chemin qui mène à leurs 3 bases différentes. Tout en sachant que la base de Kakao et Lin Kid sont assez proches et UG Blade est à l'écart. Ouais, parce que c'est un con. Ici, j'ai pas payé assez cher. Ici, vous avez la base de Danny Bigui qui fait plus partie du serveur. Et ce biome appartient à Fred Lawless maintenant. Ici, vous avez la base de Fancy. Ici, vous avez la base de Red Angel. Ici, la base de Patisman. Oh, comme c'est mignon, la Crafta Team. J'avais pas remarqué qu'ils étaient tous les uns à côté des autres, tu vois. Ah, bah oui, hein. Bah nous on est les uns dans les autres alors. Ouais, c'est vrai. Vous pouvez pas faire mieux. J'avoue. Ici vous avez la base de TSP Arion qui fait plus partie du serveur pour l'instant. J'ai parlé avec lui il y a pas longtemps et il sera chaud quand son petit dormira mieux. Aura 25 ans. Peut-être chaud pour revenir. Bah c'est pas sûr non plus. C'est les deux portails à lui. De quoi? Non. Là celui-là c'est le portail de Yggdrasil. C'est moche. Ici, c'est pour aller chez WixiWix, qui fait plus partie du serveur aussi. Mais si vous voulez farmer le sable en dehors du biome sable qu'il y a là-bas, vous pouvez y aller là-bas, c'est open. Hein. Il y a ça, puis okay. De toute façon, il y a un biome désert aussi où on peut le piller là. Ouais, c'est ça, en haut. Ici, vous avez la base de Mexpert Band. Et Mexpert Band, vas-y, fais-nous la petite démo de ta musique. Ok. Allez. Approchez. Et puis ça se gagne. Ouais, c'est sympa ça. Ici, vous avez la base de Shadows. Donc, il a pas mis de panneau, mais c'est Shadows ici. Mais il y va pas très souvent parce que ça lag pour son PC. Ici, vous avez la base de Kekel qui fait plus partie du serveur non plus. Ici, vous avez la base de Monsieur ML2G, moi-même, n'est-ce pas? Qui fait plus partie du serveur non plus. Oui. comme vous tous d'ailleurs. Toutes les bases, c'est celle que j'ai le plus vu et que limite je connais, c'est étrange. Ah bah si tu regardes que mes vidéos, oui, il faudra que tu regardes la vidéo des autres aussi. Hein. Il faudra qu'on parle des droits d'auteur aussi. Ici c'est la crypte de Fred Lawless, donc c'est pour aller chez lui. Ici c'est pour aller chez Victoria. Ici c'est pour retourner au spawn nordique. Donc, Victoria Secrets. Si vous voulez aller au spawn nordique. Ici c'est pour aller chez Werks. Ici c'est pour aller chez Wotan qui fait plus partie du serveur non plus. Et il va revenir, je... Oh, non, il reviendra pas. Ah, c'est trop dommage, j'aime bien ce mec là. Ah, oh, mais. Il lèche cul. Non, mais sans déconner, je l'aime bien ce mec là, il est super sympa. En même temps, les 20 balles qui t'a filé juste avant l'épisode. Ouais, les 20 euros, on l'a vu, on était là. De toute façon, toi, nous même pas filé 20 cents. On aura d'autres occasions. Non, je vais arriver, il est parti, c'est dommage quoi. Ouais, mais t'inquiète, on aura d'autres occasions de jouer avec lui. Et ici, c'est pour aller à la base de Crawl, mon frère, qui fait plus partie du serveur non plus. Court et clique et court comme à la barre. C'est un bon nageur, Crawl. Pardon. Bah, clique, c'est le couloir le couloir le plus long. Ah oh, oui, la vache. Même nous, il est pas aussi long. Mais si, non, c'est vous avez le couloir pour courir, mais au-dessus, vous avez un chemin en glace aussi. Hein. Pour courir. Oui. Ouais, c'est un troll. Il y a un truc au-dessus, faut aller au-dessus quand tu veux. Ah, ouais, c'est mieux. Ouais. Parce que sinon, c'est interminable. C'est juste rien. Ah, et la potion de speed, elle sert à rien. Donc du coup on a fait le tour du hub en bas. Donc vous, comme je vous l'ai dit, vous choisirez un spot et puis vous trouverez un endroit. Mais le mieux c'est quand même de choisir, enfin, de chercher d'abord dans l'overworld là où vous voulez vous installer. Ensuite une fois de trouver le plus près. Ouais c'est ça, une fois que vous avez les coordonnées, vous les divisez par 8 et vous avez les coordonnées à mettre dans le nether. Ok. Et à l'étage du dessus, j'ai pas besoin de vous dire où est-ce que ça va partout. Normalement c'est expliqué sur les panneaux. Donc voilà. Donc moi je vais vous laisser ici parce que je me lève dans 5 heures. Dans 5 heures je vais me lever pour aller bosser tout en sachant que j'allais me doucher. Te fais pas chier de te coucher alors. Si quand même.
Ah, t'as fait 24 heures de live, t'as plus peur. Ouais, non, mais 24 heures de live, je l'ai fait tout en sachant que le lundi, je me reposais, je travaillais pas. Oh, l'excuse. Te fous pas de moi. Te fous pas de moi. Te fous pas de moi, j'ai dit. Oh. Oh, va falloir que je branche. C'est violence. C'est violence. Oh là, il va y avoir du mort. Ah, t'as pas de casque, Mel. Non, mais. Ah non, t'as peut-être pas de casque d'ailleurs. Non, je vais mourir. Bien joué, bien voilà. Joué. T'auras... Attends, 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 m'attaque pas, je vais crever aussi. T'auras ma pas. Tête. Regarde, laisse-le mourir. Laisse-moi, je vais mourir par un mail. Alors attends, je reviens parce que là je suis sur Ragnaland. Ah, j'ai d'avoir la tête, tu peux pas. Hein? J'ai d'avoir la tête, tu peux pas. J'ai spawné à coudre. Elle est où sa tête? Ouais, j'ai spawné à coudre. Elle est où sa tête? Ah putain, c'était quand on a été. Qui c'est qui a pris la tête de ML2G là? Je te bute. C'est pas moi. Je vous bute tous pour savoir où est la tête. Mais c'est pas moi, j'ai tout pris. Personne à la tête de MDG, c'est un. Ah oui, une chose que je vous ai pas dit, Mister Pixel et Ombrist, quand vous tapez tab, vous avez le nom des joueurs qui sont connectés et vous avez le nombre de morts que vous avez aussi à côté. Ouais. Non mais t'inquiète pas, je sens que moi je vais dépasser la centaine très rapidement. Non, vous êtes à zéro. Qui c'est qui a dead de ML2G? Pas moi, c'est pas moi, promis. T'as là, j'ai eu sérieusement. Par contre, j'ai vu Mexpert se balader par là-bas. Non, mais j'ai pas la tête. J'ai pas la tête à Mexpert, si tu veux. Mon stuff. Ah, tiens, mon stuff. Viens là, ML. Viens là, viens là. Hop. T'es où? Ah, t'es là. Les carottes d'or, ça c'est pas moi, je m'en sers pas. L'arc. Eh, hey, mes carottes d'or, Ombrist. Autant pour moi. voleur. Merci. Passe à toi. Ouais. J'ai vu Mr. Pixel, il a piqué un cube de terre. C'est l'épée, c'était une sharpness 5, attends, l'épée. Ouais, c'est ça, avec une butin 3 et j'avais une pioche avec. C'était juste la sharpness. Ah, pardon, la pioche par contre, je l'ai pas rendu. Ouais. Ah, une hache. Non, c'était une hache que t'avais. Ouais, j'avais une hache et une pioche aussi. Ah, la pioche, je l'ai pas récupérée. C'est une pioche comment? La Silk Touch. Bleu. Pioche de l'extrême, elle s'appelle. Vas-y, attends, je prends un selfie avec mon copain. Ah, autre, bah alors la tête, j'ai. Merci. La tête de ML. J'ai pas la tête de ML, je te dis, j'ai que sa pioche. Dernière chance. À côté, mais j'ai dernière chance. Je bute tête. Tous les mecs. Je veux la tête de ML. J'ai eu réglo celle-là. Je l'ai eu réglo. Elle a peut-être cramé, remarque. Ah non, elle peut pas cramer. Ah bon? Non. Non, non. Bon. Pixel, fais voir tes yeux, regarde-moi. Regarde, Wooder, c'est parti vite, fais dans son truc, ranger la tête de ML. Bon, va falloir regarder s'il y a un des pigmen à ma tête. Oh oh. Qu'est-ce qu'il a fait, Bonders? Bonders, il a tapé un pigmen. Ouais, j'ai entendu IU. Du coup, j'ai tapé un pigmen. T'as tapé un pigmen, Bonders, parce qu'il vient de t'attaquer. Ouais, bah, toi. C'est des gars là, moi je t'en fais. GG. Ah, attends, je vais leur rendre. Tu es Bonders? Non, ils sont pour avoir sa tête. Ah. Oh bâtard. Oh ah, shit, oui, il va attaquer tout le monde. Moi je me tire. Ah bah là c'est la violence par contre, parce que les pigmen vont venir vous buter hein. Mais voilà. Les stuff partout. Aïe. Bah... Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est moi qui ai fait en chariot. Ah. Hey, t'as réussi à t'en tirer en plus. T'as réussi à t'en tirer? Ouais, moi j'ai vu les pigmen, je me suis barré. T'as bien raison. T'as par contre. Touchez pas, mon stuff. On te le range dans les coffres. Non, mais touchez pas, j'ai ce. Allez voir dans son stuff, peut-être qu'il a la tête à ML. Ouais, c'est ce que je suis parti voir. Mais non, il a pas ma tête. Oh, j'ai des blocs de redstone aussi. Ouais, bien voilà, les amis, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Alors, j'ai coupé un peu n'importe comment pour arriver justement à la conclusion de cet épisode-là avec le commentaire, comme à chaque fois. Je sais pas encore non plus comment je l'aurais coupé parce que j'ai pas encore fait le montage, n'est-ce pas, vu que je suis encore en train de tourner. J'ai sur ma tête la tête de Ombrist. Je l'ai tué. Oui, je l'ai tué. Et si toi, tu veux savoir comment je l'ai tué, je t'invite à cliquer sur la vidéo bonus. Eh ouais. Comme ça vous forcera un petit peu à regarder les vidéos bonus. Quelquefois dans les vidéos bonus, je fais des trucs sympas. Quelquefois, je fais des trucs chiants, inutiles et sans aucun intérêt. Hein. Mais là, l'épisode bonus que je vais vous sortir, on regarde un peu ce que Ombrist fait chez lui et je le tue. Voilà, tout simplement. Bref, du coup, on va lire le commentaire de cet épisode. Sur quelle plateforme il fait des lives? SVP, Scoldia Gaming.
Donc Scoldia Gaming posait la question aux viewers. Sauf que malheureusement, Scoldia Gaming, on ne peut pas répondre à ta question sur YouTube. Donc du coup, j'ai pris ton commentaire pour pouvoir y répondre ici en vidéo. J'espère que tu regarderas cette vidéo au passage. Je stream sur Twitch. Et d'ailleurs, au passage, il va falloir que je re-regarde un peu le live de 24h pour que je puisse intégrer les noms des personnes qui ont participé à ce live-là, parce que ici j'avais fait des lives différentes fois, et d'ailleurs il va falloir que je le marque quelque part que j'ai fait 24 heures de live dans le coin. Mais ouais, je stream sur Twitch, voilà. On m'a proposé de streamer sur Hitbox, on m'a proposé aussi de streamer sur un site à part, donc vraiment un site qui fait uniquement du streaming, un peu comme comment ça s'appelle déjà. J'ai oublié, un peu comme Level Down, voilà. Level Down, donc c'est un site de streaming qui est hébergé chez Dailymotion, où il y a plein de gros youtubeurs qui font des streams là-bas. On m'a proposé un site du même genre, évidemment beaucoup moins connu que Level Down, mais j'ai pas retrouvé la personne qui m'avait proposé ça justement, tout en sachant que si j'accepterais ce genre d'offre, il faut obligatoirement avoir un planning pour pouvoir faire des streams pendant un certain temps. Les seuls moments où moi je fais des streams, c'est le mercredi soir où je stream sur des jeux de Mario, des hacks de Mario, et de temps en temps sur Ragnablock, mais c'est très rare que je stream sur Ragnablock, dernièrement en tout cas, mis à part les 24 heures, et c'est vraiment quand j'ai du temps, bref. Donc on va s'arrêter là les amis, pour le prochain épisode on va continuer la machine à stuffer les zombies, on va essayer de terminer le système pour éviter qu'ils despawnent avec la distance, donc leur apporter des épées, donc on va récupérer plein d'épées dans la machine à pigmen et on fera un système à la machine à pigmen pour pouvoir récupérer leurs épées qui traînent, tout en sachant que bah il y a énormément d'épées qui sautent. Quand les pigmen tombent, ils sont pas tous récupérés dans le trieur d'items. Donc il y a moyen de récupérer les épées et de les donner aux zombies. Une fois que ça se sera fait, moi bon, je pense que ce sera déjà pas mal. Je pense qu'on fera que ça pour le moment. Pour ce qui est de la déco, de la machine à stuffer les zombies, j'ai quelques idées, mais il faut que je travaille ça en créatif. Donc on verra ça plus tard. Bref, j'enlève ce crâne bizarre. Ou je peux peut-être me faire style grosse tête. Vas-y. Voilà, en mode grosse tête. Bon, on se laisse là les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien et à bientôt. Bye.